Bonjour à tous, c'est Ludovic Beuzeron. Chaque jour, j'accompagne les personnes qui le souhaitent à atteindre leur idéal de vie. Aujourd'hui, c'est de justice dont nous allons parler et tenter de répondre à la question suivante. Qu'est-ce que le droit français? Découvrez le contenu de cette nouvelle capsule vidéo juste après ça. Qu'est-ce que le droit français? Le droit français est défini comme l'ensemble des règles qui régissent la conduite des hommes et des femmes en société dans leurs rapports sociaux. Il est applicable sur l'ensemble de l'Hexagone, y compris les territoires et les départements d'outre-mer. Le droit français se caractérise par la séparation du droit public et du droit privé, légiféré par deux juridictions différentes à cause de la séparation des pouvoirs. Sachez que ces trois pouvoirs se définissent donc par leur rôle à l'égard de la loi. Le champ du pouvoir législatif est celui de l'élaboration et de l'adoption de la loi. Le champ du pouvoir exécutif est celui de la mise à exécution de la loi. Enfin, le champ du pouvoir judiciaire est celui du respect et de l'application de la loi. Avant de se quitter, je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'intégralité de cette série Questions de justice sur ma chaîne YouTube ou sur mon blog www.ludovicbeuzeron.com. À la semaine prochaine!